Yo tout le monde, c'est Fenerik, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo duel pack opening avec un adversaire de taille que vous voyez à côté de moi, le retour de Taliwara. Comment vas-tu frérot? Ça va et toi frérot? Merci beaucoup pour cette invitation sur le retour. Et dis-toi bien que j'attendais ce moment avec impatience pour ouvrir ma première display Dragon Ball Fusion World, parce que je l'attends depuis trop longtemps en ce moment. Je l'attends depuis trop longtemps, mais je voulais absolument le faire en vidéo, que ce soit avec toi ou tout seul. Donc franchement, un grand plaisir. Merci beaucoup pour ce duel opening. Avec grand plaisir les amis. La première ouverture de la display Dragon Ball Fusion World pour le frérot Talrino. Nous, on les compte plus. Désolé pour ceux qui n'ont toujours pas pu s'en procurer. Sachez que là, ça ne devrait pas tarder. D'ici un mois, tout le monde pourrait avoir de la FB01 et même de la FB02. Bref, bah écoutez les amis, on va déballer ça avec le frérot. On va s'affronter en duel. Et puis, on va voir qui de lui ou de moi va remporter ce duel pack opening. En tout cas, j'ai hâte. Je veux de la secrète. Voilà, clairement. Je veux de la secrète. Je veux de la Migate secrète ou de la Gohan secrète, de l'alternative également. Alors là, par contre, l'alternative de Migate, ça serait même encore mieux. Mais bon, on verra bien. Écoute, j'ai envie de te dire que vu que je me suis retenu, je pourrais la dropper quand même. Ça serait cool. Ah, j'avoue, Talrino, il pourrait quand même la dropper. J'avoue, franchement, en plus sur le retour, tu vois, voilà, ça faisait un moment que tu faisais plus de vidéos, là, ça, il est revenu en force, les gars. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner de la ce fort. Eh ben, merci beaucoup. Bah, du coup, rien, on prend quoi? Pile de gauche, pile de droite, au hasard? Au hasard, moi je suis en train de prendre au hasard. De toute façon, il y a 24 boosters, les amis, dans une display. Donc sachez que là, on va en ouvrir 12 sur ma chaîne et ensuite 12 sur la chaîne du frérot Talrino. Hop, ça me fait 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, moi j'ai la boîte. J'ai pris la pile de gauche. Ok, ah bah comme ça, voilà. Moi j'ai mélangé. Comme ça, on verra bien. Voilà, hop. Hop, on met ça là. Voilà, pareil, je mets ça un peu sur le côté. La souris, hop, je vais la mettre ici. Ah. Et puis du coup, bah, on va être parti hein, pour les boosters, frérot. Allez, vas-y, tu commences. Commence pour ton booster. Allez, la hype. Allez, attention. Alors, je sais que le code, faut pas le montrer. Ouais, c'est la dernière carte, le code. Donc, la dernière carte, tu l'enlèves. Comme ça, au moins, tu montres pas le code. Je l'enlève direct. Donc on n'oublie pas les amis, hein, on essaye surtout d'avoir des cartes foil, les cartes leaders, ah ouais au cas où pour les points, je te le dis, les leaders c'est... Si tu veux, ouais. Voilà, ouais, les leaders c'est 2 points, et ensuite dès que tu commences à passer sur les cartes SR, pareil, c'est 2 points, dès que c'est alternatif tu fais x2, donc si c'est une SR alternative ça fait 4 points, une leader alternative ça fait 4 points également, par contre si tu as une secret alternative, que ça soit la Gohan ou la Migate, c'est fin du game. Et bah écoute, c'est parti. Vas-y, ça marche. Un Ginyu, un Piccolo, franchement, bonne qualité les cartes. Donc moi, je les touche pour la première fois, donc franchement... Ah oui, toi, c'est la première fois que tu les touches. Bah oui. C'est 17. Ouais. Android 17. Ici, on a une carte extra. Alors, je suis pas encore familiarisé avec extra card, ouais. Ici, on a un Gohan. Ouais. Zamasu. Piccolo, franchement, elles sont belles les cartes en vrai. Hein. Elles sont plus belles en vrai qu'en image. Ah, carrément. En vrai, elles sont plus jolies qu'en image, effectivement. Pusher Ball. Ici, on a une Kale. Ouais. My Future. My. Sangoku Foil. Ok. Ça, c'est une rare. C'est une rare. Ok. Ça te fait un point. Derrière, on a une SR. Oh 118. C'est aussi. J'allais dire 118. 118, je vais dire, ouais. 118, c'est 18. En vrai, c'est pas mal. Ça te fait, bon, du coup, t'avais une rare, c'est 1 point. Du coup, plus la SR, 2 points, ça te fait 3 points. En vrai, c'est pas mal du tout, les gars. Okay. Écoute, j'ai sorti des petites sleeves au cas où. Forcément. Ouais. Allez, à moi, la Goku, la Pan, Tenshihan, le Hito, l'extra carte de Hit qui permet de mettre KO pour 35 000 de points. Plusieurs cartes hein, au total pour un montant de 35 000, c'est pas mal. Zamasu, l'extra carte pour le deck vert qui est vraiment très intéressante pour zéro énergie. Le Zarbon. Ok, Kyabe, c'est la super combo. Très bien. Le Black Goku extra card. Le Goku type vert. Ok, Batomo. Oh, pas mal. La petite SR de Trunks Ikari
Foil, franchement, elle est sacrément stylée. Voilà. En tout cas, on commence bien. On commence bien avec. Elle est mieux que ma C18, hein. Ouais, j'avoue. Mais bon, ça nous fait du coup. Là, j'avais une rare également, hein, foil. Ouais, donc, ça nous fait 3 points chacun. 3 points okay, chacun. Ça marche. Allez, j'enchaîne. Vas-y, enchaîne. Pirina, Bata, Arumaki. Ouais. Android C17, Vados, okay. Carte Extra, Goku Blue, ouais. Spinra. Ok, elle est bizarre celle-là. Mais... Ouais, c'est la extra carte, mais elle est très forte. Ouais. Et le Vegeta. Ouais, le Vegeta également. Freezer. Ok, Rikoum, elle est très bizarre aussi cette carte ouais, de Rikoum. Elle est dégueulasse. Je sais même pas qu'elle est bizarre si elle est dégueulasse. Ok, et on aura 300 rares. Donc deux simples rares. Ici. Ok, ça te fait 2 points, donc c'était à 5 points. Très bien, 5 points. J'enlève le code, hop. Voilà. Allez, on est parti. Ginyu, Babarian, Oula. Tiens, encore la hit extra car, ouais, c'est ouais. Dingue. Je l'ai chopé avant, tu l'as chopé, je la rechoppe, incroyable. Ah bah là, on va en choper des doublons. Hein. Sauzer, Piccolo, la extra card, Trunks, la extra card des androïdes. Ok, Ginyu, pas mal celle-là aussi, hein, pour le deck jaune, mes amis. Ok, l'extra card de Black Goku en foil. Attention, en dessous. Oh, une SR de Black Goku. Franchement, vraiment, vraiment pas mal la SR, hein, foil, les amis. 40 000 de puissance pour le deck bleu, elle est incroyable à jouer. Franchement, elle est vraiment stylée. Hein. Ouais, masterclass. Elle est masterclass. Moi aussi, je veux des cartes comme ça. Hein. 18, c'est mignon, mais bon, je veux du plomb, moi aussi. Hein. Bon. Du coup, allez, ça fait 2 points de plus, donc je suis à 5, il y a 5 partout. Oh, leader du combat. C'est pas mal ça, en plus, Kula, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc ça fait plaisir. Et il est très très fort, son leader. Dolé, C19, Pilaf, Denshinan, Mafuba. Mafuba. Goku. Black Goku, pardon. Ouais, Black Goku. Elle est stylée, celle-là, juste en simple commune, elle est gravement stylée. Ouais. Vados, premier doublon. Kale. Ginyu. Ensuite, déjà un doublon de okay. Carte rare. La rare, ok. Et derrière... Ah là 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 là. Ouais, c'est la rare. C'est pas ouf. Docteur Gero, c'est pas ouf. C'est pas foufou, effectivement. Ouais. C'est pas foufou. Ok, donc là, ça te faisait 5 points, t'as récupéré une rare, si, t'as 2 points de plus, ça fait 7, c'est ça? Ouais, c'est ça, okay. C'est ça. J'enlève le code, ok, à mon tour. Cool, Piccolo, Vegeta, ok, des fameux Namek de l'univers différent dans le tournoi du pouvoir. Vados, l'extra card, Gowasu, Zarbon, Goku, attention... Ok, Android 18. Android 17, pardon, je dis 18. Ouais, 17 plutôt, ouais. Le Ginyu qui monte ses seufs. Voilà, Momo qui monte ses fesses. Et puis du coup, Botamo. Ok, bah ça fait deux rares, Ginyu, Botamo. Ouais. Mais bon, c'est pas foufou. 2 points de plus, ok. Il y a 7 partout. 7 partout pour l'instant. Attends, non, t'as plus que moi, toi. T'as chopé une SR tout à l'heure. T'as chopé 2 SR en tout. T'as plus de points que moi, normalement. Bah, je sais plus. Moi, j'ai chopé qu'une SR. Moi j'ai chopé qu'une SR moi, toi t'en as chopé deux. Ah mais t'as eu un leader. Ah oui. Voilà, c'est pour ça fait 7 partout. Voilà pourquoi okay, monsieur. Okay. Excuse-moi. Il n'y a pas de soucis. Buta, allez c'est parti. Android C17. Ok. Dodoria. Dodoria. Kamehameha TP. Gowasu. Zabon. Encore. Le hit. Sangoku. Ok. C16. Ok. Time Machine. Time Machine, ok. Attention. Okay. Ok, donc on a une rare Mighty de Trunks. Donkey Sword. Et derrière. Ouh, derrière, je crois que c'est pas mal. Oh, une SR. Ok. Kula. Oh, Kula. C'est l'alternative ou pas? Elle a une étoile tout en bas, côté SR. Non, il n'y a pas d'étoile dessus. Il n'y a pas d'étoile, ok. Quand il y a des étoiles, c'est l'alternative. Ouais, quand il y a une petite étoile en bas, c'est une alternative, ouais.
Ok. Bon, elle est sacrément stylée en tout cas. Ouais, en plus, elle, ses couleurs, est très, ça fait plaisir. elle est très très forte cette carte quand tu la joues. C'est excellent que tu l'aies chopée. Donc, du coup, tu as 2 points de plus. Donc, tu es Ouais. à 9 points. Ok, à moi. Ok. Du coup, moi, j'ai la Trunks en leader. Donc, Ok. ça fait 2 points. Trunks leader. Bon, je l'avais déjà, mais doublon au moins. Voilà, sympa. Le Ginyu. Piccolo. Android 17. Pan. Sozer. Ok, le Namek. Black Goku. Ok. Ok. Oh, Vegeta rare. En foil. Attention. Attention. Et la petite Goku rare également. Bon, ça fait Elle que est pas mal 2 quand même points. celle-là. Ouais, elle est pas mal. Et surtout qu'elle est très intéressante pour le deck vert. Au niveau des manas, les amis, vous savez très bien qu'elle te rajoute une énergie à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ok, ça fait 2 points de plus. Donc je suis à 9 points. Et toi aussi. Ah non, bah C'est non, ça. j'avais eu Non, la toi, leader. Je suis t'as à le 11. leader, ouais. Donc ça fait 4 points de plus. Donc je suis à 11 points. 11 points. Ok, 9, 11. Très bien. Allez, c'est parti. Cinquième booster. Vas-y. Un freezer. Metal Metal Cooler. Cooler. Bulma, sur ce qu'on scoute, du futur. Zamasu, en mode de contre la carte verte sur des légendes. Exactement. C'est un direct. J'ai direct repéré. Kamehameha instantané, Zarbon, Vegeta, Yajirobe, Kaioshin, Ouais. Allez, attention, c'est 16. C16, on y est. Première rare. Encore du coup là. Allez, dis-là, Encore il fait du une coup là. display coup là. C'est une Eh, display coup là chez franchement, moi. tu te fais, t'es en train de te faire un deck jaune là, je crois là. C'est pas mal ça. Tu vas m'aider à Ah, construire j'avoue. ça. Et derrière. Oh, par contre, derrière, je prends une dinguerie. Oh là, oh là, oh là. Oh, je crois que c'est une alternative en dessous. C'est une Oh alternative. là Donc ça là là là, déborde. les amis. Ça déborde du cadre. Attention, attention. Ça déborde du cadre et je vois une tenue de Oh Saiyan. purée, oh purée, oh purée. Oh, je l'ai même Oh! pas. Elle est incroyable. Allez, La et c'est bien. super Vegeta alternative. Et Si je c'est ne bien dis une pas de alternative. bêtises, elle cote dans les 90 euros. Eh, elle est stylée de ouf. Elle est incroyable. Oh, il Franchement. a chopé la Vegeta alternative. Bon bah là, Franchement, bravo. Là, ça fait 4 points d'un coup. j'ai chopé une carte que t'as pas en plus avec toutes les Ouais, displays grave, ouvertes. je vais pas. C'est ouf. J'avoue, C'est elle est ouf. incroyable. Incroyable. Ok, très bien. Bien joué, bien joué, bien joué à lui. Ça fait Alors moi, plaisir. bah du coup, le leader de Kula. Donc ça fait 2 points. Alors, Metal Kula. Les petits terriens. Champa. C17. Tenshan. Mafuba. Black Goku. Black Goku forme de base. Ok, attention. Trunks en rare. Donc ça me fait 2 points plus 1, ça fait 3. Attention. Et le laboratoire du docteur Guérin. Ok. Rien de Donc fou. 3 points de plus, ça fait 14 pour moi. Et toi, du coup, tu es à 14 aussi. Je crois que tu as rattrapé avec Ouais, ton. avec l'alternative et la rare. Ouais. Ouais. Donc tu es peut-être à 15. T'es à 15. Franchement, je te fais Alternative et la combien sur les rare. points? Je te fais combien sur les points là? Il est à Là, 15 t'étais points. trop dans l'émotion là de Ouais, la grave. dernière Là, il m'a dépassé. Il est à partie. 15 points et je suis à 14. Ok. Ça, c'est leader ça. Oh, bien. Ouais, incroyable, ce leader, il est incroyable. C'est ce que je joue, moi, là, actuellement, dans le deck rouge. Ah ok, bah c'est cool, ça fait plaisir. Ouais. Ok, Magueta. Ok. Hop là. C'est combien de cartes? C'est 17. Recall. Ok. 18. Bien, Sozer. Sozer. T'as beaucoup de cartes de type jaune, hein. Ouais. Je vois ça. Piccolo. Utider. Piccolo. Ici une Extra carte card. extra. C'est 18 du tournoi du pouvoir. Ok. Sui. Army. Ensuite, on va aller sur la Vegeta Ok, rare, ça rare. te fait un point. Et derrière, on a une Goku rare que tu as eu tout à Ok. l'heure. Ok. Donc ça te fait 2 points de plus, t'es à 17. Ouais. Donc 17 à 14, les amis. À mon Ouais, tour, sachant que du coup, t'as la encore. Gohan leader. Là, on est content. On est Ouais. content, surtout Sachant. qu'elle est incroyable celle-là. Oh! Elle est stylée de ouf. Je l'ai pas vue en vrai. Je la veux. Je la Ah veux. ouais, franchement, elle est vraiment, Pour une vraiment commune, elle est stylée. Et incroyable. même comme leader, il est très, très intéressant à jouer. Que ça fait Mais 2 points. elle existe en alternative celle-là? Dans le set là? Que je Oui, suis pas trop renseigné. ouais, si, si, il me semble. Oui, elle existe en alternative. Où il Et fait c'est la le même Kamehameha ou. Et final. c'est la même carte ou c'est une autre carte différente? En fait, c'est le même leader, les mêmes compétences, sauf que c'est Ah, l'illustration qui est ok. différente. Ok, Voilà. d'accord. Ouais, ça fait un Tout petit peu comme simplement. One Piece.
T'as les, t'as les alternatives leader. T'as leader 5, exactement. Et leader alternative. Ito encore. Ito, il fait que de venir nous voir là. Ok, Black Goku. Très bien. Vegeta. Whis. La Genki Sword, allez, attention. Ok, ok, ok. Et c'est une Vegeta rare. Ouais, celle que je viens de drop à l'instant. Ça fait que 3 points de plus. Toi, tu étais à 17, 4, 5, 6. On a 17, 17. Et là, je chope encore un leader de Beerus. Oh là 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 là. Il est bien aussi, Beerus, un leader. Chante pas juste derrière, bizarrement. Bizarrement, voilà. C'est 19, Metal Cooler, Dr. Rota. Je m'en souviens même plus de lui. C'était un Dragon Ball Super, ça. Voilà. Oui, oui. Zamasu, Vegeta, Zamasu. Il y a Jirobe, des androïdes, je sais, mais rare. Ok, extra card, body change de Ginyu ici. Oh, rare, et ici, on va avoir une simple rare. Elle est stylée. Ouais, celle-là, ah, elle est bien qu'elle sort de la salle de l'esprit du temps. Elle est vraiment, vraiment stylée. Ouais. Elle est stylée, donc plus 2, tout simplement. Ok, ouais. Donc ça te fait 19. 17 à 19 pour Talrino. Ok, à mon tour. Du coup, bah pareil, la même carte que toi. Le Ginyu, les petits terriens, Rados, la team de Ginyu, Zamasu, Piccolo, Zamasu encore, ok, Trunks, Dr. Gero, oh, je l'ai également, la couleur SR, je suis content, parce que ça, il en faut, ça, des doublons, donc là, c'est très, très bien, franchement, incroyable, là, je suis content de la rechoper, franchement, masterclass. Masterclass. Elle est vraiment chouette. Elle est vraiment, vraiment chouette. Ouais, franchement, elle est quali de ouf. Ouais, de ouf. Et en plus, elle est très, très forte, les amis, à jouer. Franchement, incroyable. Ok, bah du coup, ça me fait 2 points de plus. T'étais à 19, j'étais à 17, il y a 19-19. Ouais. Okay, et pour l'instant, ça va. 5 boosters. 5 boosters, c'est serré. C'est très, très serré, effectivement. 17, Ginyu, Pan, le Namek. Ouais. De l'univers X, je sais plus. Je crois que c'est l'univers 6, je sais même plus. Ouais, ouais, aussi je crois. Gowatsu. Extra card des cyborgs. C17, tournoi du pouvoir. Jis. Ok, première rare. Ok. C18. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une SR. Ok. Et oh, bien power. Et encore du deck jaune, hein. Parce que celle-là, oui, elle est indispensable. C'est ce que j'allais dire, je vois là-haut, là. Ouais. Il y a couleur, il y a le freezer. Eh, c'est franchement, pas mal, il est en train de se mettre bien sur le deck jaune, là, le frérot, là. Là, j'avoue. Ah, ça fait plaisir, ça. Ok, alors à mon tour. Hop. Ok, le leader de Ginyu. Sympa. T'as sympa, les points sympa. En tête, hein, Sofiane, hein, t'as les points en tête. Hein. Oui, oui, là, attends, t'étais à 19. Il n'y avait pas 19-19? Je crois que c'était ça, mais là du coup, là t'as eu combien de points avec J'ai une SR et une rare, donc ça fait 3 points. Ça fait 3 points de plus, t'as à 22, 22-19. Donc, enfin 22-21 maintenant, parce que là j'ai la leader. Ensuite, Pilaf. Ok, Vegeta. Krillin. Le fameux Goku. Extra card. Mr. Satanda. Kale. Mai. Ok, je l'ai aussi, la Trunks qui sort de l'esprit du temps. Donc ça fait 22-22. Allez, allez, allez. Et du coup, une Vegeta rare, ça fera 23. 23 à 22. Ok. Hop. Ok, bah tiens, hop, on commence aussi. Oh, avec un joli leader de Black Goku rosé. Ok, allez, bien. Ouais, pas mal, stylé. Franchement. Tu peux même regarder le derrière. Hein. Ah oui, c'est vrai, les leaders, elles sont derrière aussi. Ah oui. T'as la forme de base et la forme éveillée. Ah ouais, je me suis même pas spoil sur les autres cartes, je les regarde. C'est une chiale. Le roi Cold. Silin. Bulma. Dozer. Bafouba. Guan enfant. Pour entraînement. Ouais, elle est bien en plus pour le déver. Goku. KB. Ici, okay. On est sur la rare, encore une carte jaune. Ok. Et derrière, un Trunks du futur. Ouais, il est dégueulasse celui-là. Ouais, j'aime pas sa coupe de cheveux, c'est trop court. Ouais. Bah, franchement, ouais, ça va pas du tout. Donc ça fait 4 points de plus là-dedans. Ouais. T'étais à combien? 22 plus 4. T'étais à 26, et moi j'étais à. Je sais même plus. T'étais à 25, toi, je crois.
Non, j'ai pas autant. T'as chopé un leader et deux rares, ça faisait 4 points. T'étais à combien? 21? Plus 4, 25, Tu vois? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Peut-être 25, ouais, si, je crois que t'as raison. Ok, le roi Cold. Bulma. Freeza. Android 18. Ok, le petit Gohan également. Ouais. Zamasu. Yamcha. C18. Rikum, dégueulasse. Carte rare, mais bon, franchement, l'illustration est dégueulasse. Attention. Et du coup, la carte foil, tour du coup. Donc, ça me fait juste un point de plus. Ça, je suis à 26. T'as pas de points là, t'as pas eu de rare? Non, parce que la extra carte, je la compte pas en fait. Ah, les extra cartes, ok, tu comptes. Ouais, je compte pas. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Oh, encore un leader. Oh, j'ai bien. Le leader là. Le Trunks du futur, très bien. Piccolo. Babalian. 18. Dolé. Sauzer. Ok. Tenshinhan. Extra card. Extra card encore bleu. Naze. Bah tiens. Ouais, voilà, bah tu l'as aussi. Et derrière, attention. On a une simple rare en double. Ouais, encore la Trunks. Ouais, la Trunks qui est quand même stylée. Effectivement. Ok. À mon tour. Alors, c'est 19. Tenshinhan. Ok, Sauzer. L'extra card. Goku Blue. Apple. Shin. C'est 16. Extra card de Jis. Oh, je sais pas si j'ai passé les codes. Et du coup, oh, j'ai une SR, ça. Goku Blue SR. Elle est incroyable en plus. Même à jouer. Même à jouer, franchement, avec le Goku Blue en leader, elle passe à 30 000 et elle détruit une carte à 20 000. Tu peux la mettre KO, juste en l'invoquant, pour seulement 3 énergies. Et du coup, avec le leader Goku Blue, elle prend plus 5 000, donc elle passe à 30 000 au lieu de 25 000. Celle-là, elle est très très bien. Elle est très bien, donc c'est une SR. Donc là, ça me fait 2 points de plus. Bon, pour l'instant, je crois que tu es toujours en tête. Hein. Moi, j'ai pris juste un point avec la rare que j'ai eue, vu qu'elle a l'extra. Donc je crois qu'il y a 28-27 pour toi, je crois, si je dis pas de conneries, je crois. Ok, je sais plus. Je vais pas te mentir, je sais pas. Vous nous direz les amis, dans l'espace commentaire, on a du mal à compter là. On dirait si Sophie a besoin de cours de maths. Et moi aussi, bien sûr. Moi je fais pas attention là. Ok, Black Goku, Extra, Gowatsu, Son Goku, celle-là je l'ai pas eu. Elle était pas mal. Aussi. La Trunks, ouais. Vegeta. Oui, très très bien celle-là. La Vegeta que j'ai tout à l'heure. Un point de plus. Et évolution, ça c'est du Ether. Et c'est du Trunks. Oh, c'est le Trunks qui arrive. Non, ouais. C'était là que t'as chopé ta Ouais, c'est celle-là que j'ai chopé, ouais. Ok. Ok. Okay. Donc t'es à 31. Elle est belle là. Oh. Je me suis fait spoil, mais je crois que t'as pas vu, toi. Non, j'ai pas vu. Je me suis fait spoil, mais je crois que t'as pas vu. Prépare-toi. Alors, je vais boire. Je vais retrouver la vue. Très bien. L'extra card, je l'avais pas en plus, donc je me suis fait spoil, mais je l'avais pas, donc ça va être très très bien. Frieza. Yajilo B. Donc la petite rare de Goku, ça fait un point. Attention, préparez-vous, je sais que c'est une leader alternative. Oula. C18 alternative leader. Elle est tout simplement sublime. Incroyable. Elle est sublime. Avec les écritures or et tout. Oh, les gars. Ah là, t'as chopé un meilleur hit que moi là. Franchement, celle-là, elle est. Elle est meilleure que Vegeta celle-là. Elle cote plus que Vegeta, obligé. Alors, franchement, déjà. Je sais pas si elle cote plus, peut-être si dans les mêmes prix. Franchement, j'ai aucune idée de combien elle coûte. Mais ouais, elle doit être... Rien que pour la beauté de la carte, je lui donne plus. Rien que pour la beauté de la carte. Ah, franchement, ouais, j'avoue. Et les gars, la beauté de la carte. Oh là là. Elle est sublime. Elle est magnifique. Non, sérieusement, à côté magnifique. On va protéger ça. Hein. Mais franchement, sublimissime. Non, à côté de la beauté, donc, c'est leader alternatif. Donc, ça fait 4 points. 4 points de plus. Je sais même plus. J'ai dû repasser un peu devant. Bon, les gars, vous nous direz dans l'espace commentaire. Ouais. On est perdu, là. Ouais, grave. C'est ton dernier booster, là ? Ouais, c'est ça, c'est le dernier booster. Attends, moi aussi, c'est le dernier, on va l'ouvrir ensemble. On l'ouvre ensemble ? Ouais. Bah, c'est stylé. Hop, vas-y, tac, j'enlève ça. J'enlève le code.
Hop, voilà. Vas-y, c'est parti. Let's go. C'est parti, vas-y. Ah bah tiens, bah voilà, bah maintenant j'ai le leader classique. Ah bah t'es nickel. T'es nickel. Bah hey, ça va vous permettre de voir un peu la différence entre... Attendez, hop, voilà. Je la reprends. Voilà, vous voyez la différence entre l'alternative et leader classique. Ouais, franchement, stylé. Elle est stylée. Franchement, elle est bien bossée sur simplement incroyable. Ok, très bien. Et puis bah du coup le derrière comme ça. Ok. Ok, première carte. Tenchi. Deuxième carte. Chante pas chez moi. Krilin. Ok. 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 Kowasu. Kowasu. Goku. Vegeta. Attends, c'est bizarre. Vegeta, on a ouais. Des pères. Un petit peu directement ici. KAB. Non, ça a ok, oh, j'ai une rare de Gohan. Plutôt sympa, okay. La rare de Gohan. Oh, eh. Ah bah, eh. Incroyable. Tiens, voilà, eh. Incroyable. Eh, pour le dernier booster, franchement. Tu imagines la carte derrière, c'est la même aussi. Vas-y. Ouais, la rare de Gohan. Non, malheureusement. Malheureusement, okay. On a eu qu'un gros hit ici. Ouais, grave. De mon côté. Bah, là, j'avoue, de ton, moi ton aussi, côté aussi hein. Un gros hit et de belles petites choses. Ouais, franchement, des choses vraiment sympathiques. Hein. Là, j'avoue, la leader C17-C18 en alternative, ça fait plaisir. Ça, franchement, les amis, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Bon, bah voilà. Hey, en tout cas, tu commences à te mettre bien hein, pour ce premier duel pack opening. T'as quand même chopé du lourd, là. Ouais, c'est vraiment sympa. Franchement, je suis satisfait. De cette première partie, je suis grave satisfait de ce que j'ai eu. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Un régal. Et ben voilà. Voilà les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus en mode Genkidama en espérant que vous arriviez également par la suite à choper des cartes. Ça ne devrait pas tarder comme j'ai pu vous le dire. Et n'hésitez pas à faire un tour dans la description de cette vidéo. Il y a le site de Ludo Trotter pour précommander vos cartes, vos displays, etc. Comme d'habitude, faites-vous plaisir parce qu'il y a quand même des très très jolies cartes et j'ai un très beau classeur de cartes qu'on regardera d'ailleurs ensemble lors d'un live. On ira feuilleter un peu toutes les cartes que j'ai. Ah là 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 là, voilà. Moi je vais le voir aussi, moi aussi. Voilà, bah voilà. il va te falloir un classeur toi aussi du coup. J'en ai un, mais je m'en fous d'autres parce que les cartes One Piece elles sont pas rangées aussi. Donc voilà. Donc il en faut plusieurs. Très voilà, bien. Voilà, c'est ça. Bon en tout cas, merci à toi mon frérot d'être venu. Merci et beaucoup. On se retrouve pour la revanche sur ta chaîne. C'est ça. Et comme d'habitude, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! C'est ça. Ciao. Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.